câble là, on va y couper. Ensemble, quand ils vont venir, vive les Algériens. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, lavons-nous les mains. Vive l'école Guinéenne. Vive l'école Guinéenne. Ensemble, lavons-nous les mains. Ensemble, mesdames et messieurs, en vos titres de qualité, comblés de joie, soyez sincèrement remerciés pour le manque de confiance que nous ressentons en ce moment à cause du choix que vous avez bien voulu accorder à notre préfecture, particulièrement à l'école élémentaire de Nagaya, pris comme centre pour le lancement officiel de la dotation des écoles encadrées par la DGZ en station de lavage des mains et l'éclairage solaire. Je voudrais, pour commencer, souhaiter à tous la bienvenue et un agréable séjour dans la cité de Sumbatoumani, commune urbaine de Dreka, et par anticipation, prier que chacun retrouve son cadre dans les meilleures conditions. L'école élémentaire de Negaya qui nous abrite maintenant est l'une des composantes des 5 écoles de Dreka, encadré par la GIZ, à savoir elle-même, l'école d'application, l'école élémentaire générale Lassana Conté, l'école élémentaire de Kerendé et l'école élémentaire de Toumania. Cet encadrement vise l'amélioration et l'introduction des pratiques innovantes qui sont inscrites dans 3 champs, le champ 1, 2 et 3. Au champ 1, il y a l'amélioration des conditions d'apprentissage et de travail. Au champ 2, il y a l'amélioration de la formation initiale et continue des enseignants. Au champ 3, il y a la prévision de l'introduction d'approches innovantes dans le nouveau programme sectoriel 2018-2027. L'une des pratiques innovantes se fait grâce au programme de l'éducation de base, PEP, avec l'approche Fit for School, être apte en forme pour l'école, pour favoriser l'amélioration de la santé physique de nos enfants par l'introduction d'habitudes d'hygiène, permettant aussi de conquérir une école de qualité, un lieu propre, favorable à l'apprentissage. Voilà l'objectif que s'assigne principalement le champ d'intervention numéro 3. Doter les écoles encadrées par la GIZ en station de lavage des mains et d'éclairage solaire permet aux élèves organisés en groupe de se laver les mains avec du savon, nettoyer les latrines, la cour de l'école, balayer les salles de classe afin qu'elles soient de
les parasiter deux fois par an, aussi assurer pour les jeunes apprenants des classes d'examen et autres des révisions nocturnes afin de booster la réussite scolaire. Excellences, Monsieur le ministre, Excellences, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur les représentants des partenaires techniques et financiers en Guinée, en cet instant précis, qu'il me soit permis, au nom des enseignantes, enseignants et partenaires sociaux, APE et communautés, d'adresser les vifs remerciements pour les efforts très louables que vous ne cessez de consentir dans le système éducatif guinéen en général et particulièrement dans la préfecture de Dubreka que vous avez en outre choisi pour cette activité. Tout cela découle de la coopération internationale que la GIZ en soi particulièrement remercié. Les mêmes compliments à l'endroit des autres ONG partenaires, tels que Plan Guinée qui a bien voulu accepter notre invitation à cette première cérémonie. Je tiens à ce niveau à réaffirmer à tous que les acquis déjà obtenus seront pérennisés et jalousement sauvegardés pour le bonheur de nos enfants. Mesdames et messieurs, si vous convenez avec moi que sans une bonne santé, une bonne éducation n'est pas possible, je demande humblement à tous, à tous les acteurs à la base, que sont les enseignants, les organes de l'air, les comités de développement de l'école, les bureaux des associations des parents de l'air et amis de l'école guinéenne, les conseillers religieux, bref, tous ceux qui ont participé aux ateliers d'impréhension et de sensibilisation autour de l'approche Victor Scott, être apte en forme pour l'école, de mettre à profit les enseignements reçus en aidant nos enfants à adopter des habitudes saines et à promouvoir une culture d'hygiène au-delà de nos écoles. Ensemble, nous devons soutenir, appuyer toute approche contribuant à aider l'école guinéenne à résoudre la problématique de l'hygiène. Je terminerai cette intervention l'assurant l'excellence, Monsieur l'ambassadeur de la République de Guinée, de la République d'Allemagne en Guinée, que les installations et autres produits qui seront mis à notre disposition seront judicieusement utilisés, gérés encore une fois pour le bonheur des apprenants. Vive l'école guinéenne, vive la coopération guinéo-allemande, vive le professeur Alpha Condé, chef de l'État, président de la République. Chers invités, chers élèves, c'est pour moi un grand plaisir, une grande joie d'assister à cet événement important. C'est en fait l'aboutissement des efforts de la GIZ, la Coopération internationale d'Allemagne, de promouvoir une approche innovante dans le secteur de l'éducation, notamment le Fit for School, être apte, être en forme pour apprendre. Et comme vous le savez très bien, sans une bonne santé, il n'y a pas une bonne éducation. Les installations que vous voyez en face de vous, les stations de lavage de mains, sont des équipements importants pour améliorer les jeunes dans les écoles. Un bon apprentissage nécessite que les élèves soient en bonne santé. La bonne santé, c'est un résultat d'une bonne hygiène en milieu scolaire. Et avec l'approche innovante Fit for School, nous comptons contribuer effectivement à améliorer la situation du jeune dans les écoles et de cette manière aussi de la qualité de l'apprentissage de tous les élèves. Je vais être bref, mais
sans retarder, je voudrais encore mentionner l'éclairage solaire. On est aussi ici aujourd'hui à cet événement important pour lancer la dotation de l'éclairage solaire au niveau des écoles qui va permettre aux élèves d'apprendre aussi aux heures où il n'y a pas assez de lumière dans les salles de classe. Ça aussi, c'est un facteur important d'amélioration de l'apprentissage. Et nous sommes aujourd'hui tous ici pour lancer ces deux types d'équipements pour les écoles. Ce n'est pas seulement pour l'école X. Ici, la GIZ, comme vous le savez bien, s'engage au niveau de 4 régions. Et il y a les écoles paquet complet qui seront tous dotées de ces importantes installations. Je terminerai en remerciant tout le monde ici présent dans cette jolie école pour la participation à cet événement. Et je voudrais rassurer les autorités du secteur d'éducation de la entière disponibilité de la GIZ d'accompagner l'utilisation de ces installations. Je vous remercie. Mais surtout, bonjour les enfants, bonjour. Ah, bonjour les enfants. Merci beaucoup. Je dois reconnaître que je suis très fier d'être aujourd'hui avec vous. Je n'ai pas attendu un tel nombre de, surtout des enfants, sur le chemin. Merci. Sur le chemin venant de ma résidence à Conakry, j'ai vu toutes les rues étaient pleines des élèves allant aux écoles. Et je vois aussi aujourd'hui, et je sais que ça c'est vraiment vous, l'avenir de la Guinée. Et je suis très fier que l'Allemagne, avec sa coopération, peut contribuer à la formation de l'avenir de la jeunesse de la Guinée. Mesdames et messieurs le ministre, mesdames et messieurs, la coopération allemande dans le secteur de l'enseignement a plusieurs approches, ce qu'on a déjà mentionné. Pour moi, c'est aussi important à retenir à cette occasion que c'est bien sûr un investissement dans l'infrastructure. En particulier, si j'ai appris que ici l'ambassade a aussi contribué, mais aussi dans des programmes de la construction des écoles à l'intérieur du pays avec Plan Guinée. Mais encore plus important me semble l'investissement dans la formation des enseignants, dans la formation aussi de l'administration ou de l'administreur, et finalement dans la formation directe des enfants. Et en chapitre spécifique de la formation, nous traitons aujourd'hui là où aussi le sujet de ces deux programmes de la coopération allemande se touche, la coopération sur l'éducation primaire et la coopération sur la santé, avec la question de la formation de santé aux écoles. On parle bien sûr de la question de l'hygiène en général, mais on a déjà mentionné de l'actualité de la fièvre Lassa actuellement ici constatée en Guinée. Et je suis bien sûr venu aussi pour soutenir l'initiative de Monsieur le ministre et du gouvernement d'être actif dans le combat contre cette maladie. Et je voudrais soutenir en particulier les mesures prises par l'État. Et je cite votre circulaire, Monsieur le ministre, protégeant nos écoles, nos établissements, nos institutions contre la fièvre hémorragique de Lassa, ou parmi les mesures à prendre, numéro un, c'est
se laver les mains à l'eau et au savon régulièrement. Et je peux vous confirmer, ça c'est pas seulement doit être un standard ici en Guinée, ça doit être aussi, ça c'est aussi un appel permanent chez nous en Allemagne. Se laver les mains à l'eau au savon régulièrement. Les enfants, ils ont compris? Vous avez entendu? Ok, merci. Bon, on va démontrer encore une fois, mais ça c'est pas pour les enfants, je pense c'est plutôt pour les médias, comment ça se fait. Et je veux répéter, c'est pas seulement pour les enfants, c'est aussi bien sûr pour les adultes. Et mon appel pour les médias, encore une fois, transmettre ce message pour tout le monde en Guinée. Bon, mon dernier mot à cette occasion, ça c'est aussi pour mentionner la perspective de notre coopération. Je voudrais mentionner que j'ai parlé de l'avenir, la jeunesse comme l'avenir de la Guinée, et nous avons constaté aussi d'élargir notre coopération dans le sens de mieux préparer les enfants pour la vie. On parle ici pas seulement comment écrire, comment calculer, etc., comment écrire une lettre et lire des journaux, mais c'est surtout aussi d'orienter la jeunesse pour la vie professionnelle. On a constaté qu'on n'a pas encore fait assez pour cette perspective, et on est résolu de s'engager encore plus aux écoles pour donner une orientation professionnelle avec pas seulement des bons conseils, mais aussi des activités pratiques. Et je remercie, Monsieur le Ministre, l'ouverture aussi de votre ministère et de vos gouvernements pour une coopération dans un tel sens. Et maintenant, je termine mon discours en remerciant encore une fois les enfants. Vous avez beaucoup de patience. C'est remarquable et je suis très honoré par votre soutien ici. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, l'un des facteurs contrevenant au développement ou à l'émergence de notre pays est le faible niveau en matière d'éducation de sa population. C'est pourquoi le gouvernement dirigé par le président de la République, son excellence professeur Alpha Condé, dès son accession au pouvoir, a axé la priorité de son intervention sur le secteur de l'éducation de base dans le cadre de la stratégie de lutte contre la pauvreté, allant ainsi en droite ligne avec les objectifs du développement durable et du programme du plan national de développement économique et social de notre pays. C'est pourquoi des actions sont en train d'être menées dans le secteur de l'éducation, non seulement par le gouvernement, mais par nos partenaires techniques et financiers. Mesdames et messieurs, l'importance de cette activité est de faire de ce programme un programme approprié et adapté au milieu scolaire conçu et soutenu par l'école et la communauté, où chaque acteur doit jouer le rôle qui est le sien. La pratique de lavage de mains est de nature à développer chez l'enfant des habitudes conduisant à l'amélioration de la santé physique et mentale, les conditions premières de sa réussite à l'école. J'ai à tous les niveaux les élus locaux, les écoles partenaires à s'inscrire et à s'engager dans la dynamique de l'entretien
et de la conservation des installations. C'est le lieu et le moment de remercier très sincèrement, au nom du président de la République de Guinée, le professeur Alpha Condé, son Excellence l'ambassadeur de l'Allemagne en Guinée, pour tous les efforts fournis et tous les autres partenaires techniques et financiers qui soutiennent le secteur de l'éducation en Guinée. Je profite de cette opportunité pour adresser mes remerciements à l'ensemble des autorités et aux populations de Dubreka pour la grande mobilisation et la qualité de l'accueil réservé à nos illustres hôtes. Vive la coopération internationale, vive l'école guinéenne, je vous remercie. Et vous, maintenant. Savonnez-vous suffisamment? Savonnez suffisamment les mains. Excellent. Savonnez suffisamment les mains. Oui. Ok, maintenant, s'il vous plaît, frottez les mains. Frottez les mains, s'il vous plaît. Frottez les mains suffisamment. Frottez les mains suffisamment. Suffisamment, s'il vous plaît. Frottez suffisamment les mains, s'il vous plaît. Je m'intéresse aussi le ministre de l'éducation. Voilà. Faites sécher les mains à l'air libre. Voilà. Faites sécher les mains à l'air libre. Voilà. Faites sécher les mains à l'air libre. Je vous rappelle ce s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Attention. Son Excellence, son excellent ministre de l'éducation nationale et de la familiarisation. Ok. Monsieur l'ambassadeur. Merci, le cadre technique. Maintenant, on va suivre une séance pour la base de l'année des enseignants. Voilà, les enseignants tout à l'heure. Les enseignants, s'il vous plaît. Les enseignants ou enseignantes, elles sont bien appuyées sur la terre. On peut utiliser la prestation. Mais, maintenant, frottez les mains. Frottez les mains complètement. Fini de savonner, frottez. Si vous avez fini de savonner, frottez maintenant complètement. Frottez toutes les surfaces des mains. Toutes les surfaces, l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Voilà, comme ça. Frottez suffisamment toutes les surfaces des mains, s'il vous plaît. Frottez complètement, complètement. Mesdames, les enceintes sont bien habillées ce matin. Oui, merci. Vous savez, l'enceinte, c'est un élément de civilisation. Merci à Madame Bangoura Hanzan. Merci à ce la présidente du conseil de quartier de Néguéa, conseillère communal. Vous savez, les anciens sont les miroirs. S'il vous plaît. Voilà. Merci au directeur préfecteur de l'éducation. Maintenant. Monsieur Mohamed Lamine Kunda Poulé. Voilà. Lavons-nous les mains. Lavons-nous les mains. Écoliers de Guinée. Lavons-nous les mains. Lavons-nous les mains. Écoliers de Guinée. Écoliers de Guinée. Nous sommes accueillis ici par beaucoup des élèves surtout et des parents, des enseignants. Mais à l'heure actuelle, avec vivre Lhasa en Guinée, c'est beaucoup plus important de faire la campagne pour laver les mains. C'est bien d'avoir les mains propres. Mais c'est aussi nécessaire et très important, et pas seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. D'accord. Est-ce que vous avez des messages? Allez. Justement à l'encontre des élèves, des adultes, en ce qui concerne le lavage de l'eau. Bien sûr, c'est pour moi très important de souligner cette campagne pour l'engagement pour la vie des mains. Ça fait partie de notre programme de coopération avec la GIZ, et des représentants aussi. Dans le cadre d'un programme qui s'appelle Fit for School, être apte en forme pour l'école. Et ça veut dire reconnaître les circonstances autour de l'école qui sont très importantes pour que les enfants puissent profiter des écoles. C'est pas seulement l'enseignement lui-même, mais c'est aussi les conditions pour la vie quotidienne des enfants. Mais actuellement, c'est notre approche aussi de cette coopération de prendre les
les élèves comme, je dirais, ambassadeurs pour la santé. C'est-à-dire, ils apprennent à l'école les sons de bien et parmi ceux, la vie des mains, et qu'ils portent ça à la maison pour leur famille. C'est-à-dire, dans ce cas-là, les parents, c'est important d'être à l'écoute des enfants. Merci. Allez, de quel nom ? Vous savez, comme son Excellence l'ambassadeur d'Allemagne a souligné, l'environnement dans les écoles, c'est aussi un facteur important pour la réussite de l'apprentissage, n'est-ce pas? Si les enfants sont malades, ils ne vont pas bien étudier, n'est-ce pas? Et même chose pour le solaire, si c'est obscur, comment lire les textes et écrire dans des cahiers? Alors on pense que cette amélioration des conditions d'apprentissage, c'est un élément très, très important dans la promotion du secteur de l'éducation en Guinée. Est-ce qu'il est prévu que la GIZ élargisse ce programme à d'autres secteurs? À d'autres écoles? Non, vous savez, ici c'est le lancement d'une dotation, mais pas seulement pour cette école, mais pour les écoles avec lesquelles nous coopérons. Nous sommes actifs dans 4 régions du pays, et c'est beaucoup d'autres écoles qui sont déjà dotés de ces équipements ou qui sont déjà dotés. Alors c'est une vaste propagation de ces équipements très très utiles. Merci. En rentrant à midi. Donc cette école a bien fait. Il y a 3 premières années et 3 sixièmes années qui sont fixes. Il y a 20 groupes pédagogiques qui vivent. Et à combien d'élèves en tout au total? 1706. 811 fois, encadré par 29 enseignants, 24 ans. Donc, et le panneau solaire, comment vous allez l'utiliser et le lavage de main là? Le lavage de main, comme j'ai dit au départ, c'est un programme qu'on a formé, tous les maîtres ont été formés à cet effet. Donc, chaque maître obligatoirement doit le faire après la montée de couleur, avant que les enfants ne rentrent. Ainsi, pour l'éclairage des 4 salles de classe, les élèves de 6e année sont obligés à venir faire la révision la nuit pour qu'ils réussissent à l'examen de la classe. Nous remercions. Merci, son Excellence, monsieur le ministre de l'Éducation, de la Formation. 50 écoles, pas très compliquées. Donnez qui a fait partie. Excellence, on ne savait pas que le monde a été fait par la fin.